Thank you, Mr. President. I have approximately 2 to 3 minutes, 5 at the most. Five more minutes. Thank you. Sir, if we could go now to sticking with the same topic, the date when your father was taken away, if we can look at D230/2/4.2277A, and this is what was attached to your application on the 25th of January 2010, and you state the following there: during the regime, my parents, who were on Sector 20, Prevang Province Committee, were taken to be allegedly killed for being against the communists in Khao Tik Tay, Chien District, Khom Chie Mir District, Prevang Sector 20, in late 1975. And my apologies for my poor pronunciation. But here we have a date of late 1975. So we have 1974, we have late 1975, we have 1977 for the date when your father was taken away and allegedly killed. So can you please tell us, of the three dates, you said before it was 74. Are you sure it was 74 and not late 75? Then may I ask, why did you have 1975 and then 1977 also as those dates? Why were you being inconsistent in placing the date of your father's disappearance? ការដាក់ថាតាំងថាយកថាទៅសម្រាប់នោះមិនមែនទេខ្ញុំមកពុកខ្ញុំក៏ដាក់ថាគាត់បាត់ខ្លួននៅបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ74ដោយខ្ញុំនឹកឃើញថានៅពេលក្រោយឆ្នាំ74នៅពុកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំស្លាប់ផ្ទាល់គ្នាដល់ស្លាប់ផ្ទាល់គ្នាដល់នឹកឃើញទៅគាត់ថានឹកឃើញគាត់ស្លាប់នោះគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញគេយកឪពុកខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំជាប់គឺចាំនៅពេលដែលម្ដាយស្លាប់ អ្នកឯងកាលណាចុះខុសពីនឹងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថារឿងពិតរបស់ខ្ញុំពិតជាជួបអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែការខុសចុះថ្ងៃខែគឺជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំមានច្បាប់ច្បងក្នុងការនោះសូមអ្នកម្ចាស់សំណួរទទួលដឹងថានៅពេលនោះអស់លោកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពិបាកវិធានណាអញ្ចឹងការចង់ចាំប្រហែលជាមិនចង់ចាំអស់ទេសូមទោស
Now, you also mentioned that there were others that were taken away, and we mentioned some of them. That was Mr. Mao Cheng, Mr. Sim Ka, Mr. Kiev Saron, and some others. How do you know that they were taken away at the same time as your father? And do you know the reasons why they were taken away and spared? ខ្ញុំសូមជម្រាបឆ្លើយបញ្ជាក់ត្រង់នេះខ្ញុំបានដាក់ថាអ្នកអីឃីវសរិនលោកម៉ៅជៀងលោកសឹមការនេះ ថាទៅឬក៏យកទៅសម្លាប់នោះមិនមែនទេគឺការពិតទៅខ្ញុំក៏ដាក់បញ្ជាក់ថាអ្នកនៅសល់បានដឹងលឺនៅពេលថាគេយកឪពុកខ្ញុំទៅគឺអ្នកដឹងលឺគឺលោកសឹមការហើយលោកម៉ៅជៀងនិងលោកខៀវសរុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសរុនគឺជាក្មួយរបស់ឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់ហើយលោក ឃីអណែលោកសឹមការនេះគឺជាលោកជានេតិវកតទទួលខុសត្រូវមកផ្នែកខាងនេរសានៅក្នុងតំបន់20លោកហើយគាត់នោះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកនៅរស់នៅដឹងអាចដឹងឮថាពួកខ្ញុំគេយកទៅឬមិនយកទៅខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែលតាមដានរកធាតុពិតនោះថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យពិតឬក៏ជាពាក្យ ខ្ញុំពុតខកដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកតាមដានឯកសារជួបអ្នកតាំងប្រមាណអាចជួបអ្នកទាំងអស់នៅរស់លោកសឹមការនៅការងារនៅក្នុងក្រុងប៉េងហើយលោកម៉ៅជៀងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបងចាមហើយលោកខៀវសរុនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំភូមិកំណើតបាទសូមជម្រាបបាទ Mr. President, I have no further questions. Sir, on behalf of Ms. Ng Sri, Mr. Angudom, and I would like to thank you for coming here to give your evidence, and we wish you good luck and safe travels. Thank you for appearing here. ក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសម្រួលដីដល់ចំពោះដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរួមនេះសូមអញ្ជើញ Merci monsieur le président. Bonjour monsieur M. Eun. Je m'appelle Antagissé et je suis avocat co-avocat international de monsieur Khieu Samphan et je vais à mon tour vous poser quelques questions. Un certain nombre de thèmes ont déjà été couverts par mes confrères, mais il y a un certain nombre de précisions que je souhaiterais avoir de votre part. Alors je sais que les faits remontent à loin et qu'il n'est pas simple d'avoir en tête des dates précises. Par contre, il est parfois plus simple de se référer à des événements. Et je voudrais avec vous voir si, avec les événements, nous pouvons avoir une vision plus précise de votre récit. Premier point, premier repère, vous avez indiqué dans le cadre de votre déposition à l'audience que vous, vers l'âge de 10 ans, vous êtes allé habiter chez votre grand-oncle à Phnom Penh et que lorsqu'il a senti que la guerre s'annonçait et que la situation sécuritaire n'était pas bonne, il vous a renvoyé chez vos parents dans le secteur 20. Ma question est la suivante. Lorsque vous rentrez dans le secteur 20 après un séjour auprès de votre oncle médecin, est-ce que c'est après ou est-ce que c'est avant le coup d'État de Lon Nol? Merci.
Trong lắng khyom som chalam cha tha khyom neu mon rat paha. Je vous remercie. Vous avez, avec mon confrère Maître Carnavas, évoqué un deuxième repère qui était la date de la disparition de votre père. Nous sommes d'accord que selon ce que vous avez indiqué à la Chambre aujourd'hui, vous confirmez que c'était en 1974. D'accord. Si je prends ce repère, et là je cite un passage de votre déposition à l'audience du 23 août dernier, c'était avant midi 00:07. Vous avez indiqué, évoquant votre séjour de formation au Vietnam, vous indiquez, après avoir quitté le Vietnam, mon père, Sopim et Takom m'ont demandé d'être le médecin du secteur. D'après mes souvenirs, j'avais environ 20-23 ans. Donc si je prends le repère de la disparition de votre père, si votre père participe à cette décision de vous faire travailler comme médecin du secteur, nous sommes d'accord que vous avez travaillé dans le secteur 20, en tout cas avant 74. Est-ce qu'on est d'accord sur ce repère? D'accord. J'ai bien compris. Ok, je vous remercie. Un troisième repère en termes de date que je voudrais voir avec vous est la date de votre mariage. À l'audience, vous aviez indiqué que, alors c'est l'audience du 23 août 2012 et c'était un petit peu après 16h04-08. Vous dites, et ça au moins sur le jour, vous en êtes sûr, que c'était un 17 avril et vous avez indiqué, j'ai choisi le 17 avril comme date de mariage parce que mes proches ont assisté à mon mariage et sans leur soutien et leur présence, le jour de mon mariage, j'aurais refusé de me marier. J'ai cru comprendre, et je vous demande de me rectifier si je me trompe, que la date du 17 avril permettait la présence de vos proches parce que c'était un jour férié, parce qu'on commémorait la victoire du 17 avril 75. Est-ce que je comprends bien votre témoignage sur ce point? Et effectivement, sur la même page de ce procès-verbal provisoire,
donc toujours après 16h04-08, vous indiquez, je me suis réellement mariée. Est-ce que c'était le 17 avril 77 ou 78? Je ne suis pas très certain. Je me suis mariée dans une de ces deux années. Là, c'est ce que vous aviez dit à l'audience. Je voudrais revoir avec vous certains passages de vos déclarations antérieures, notamment, je commencerai par votre formulaire de renseignement sur la victime côté D22-3963. Donc, si je comprends bien les explications que vous avez données aujourd'hui à mes confrères, il s'agit d'un document que vous avez élaboré vous-même, que vous avez écrit de votre main, et voilà ce que vous dites à propos de votre mariage dans ce document. Et là, je voudrais citer la page, alors ERN en français, 00-78-62-87. ERN en anglais, 00-75-18-68. Et en Khmer, 00-57-39-80. Donc, le paragraphe que je vais vous citer est la partie où vous évoquez votre mariage. Et voilà ce que vous dites dans ce document. Donc c'est en français, c'est le quatrième paragraphe à la fin. Vous expliquez que votre formation à Phnom Penh est arrivée à son terme. Alors je vous cite exactement. Environ un mois plus tard, la formation est arrivée à son terme et j'étais très content. De retour, Lankar voulait me marier à une fille qui est ma femme actuelle. Comme j'ai osé refuser, j'ai été envoyé travailler sur un chantier de plantation pendant 2 mois. Après, vous expliquez, là je saute les deux phrases qui suivent, vous expliquez que finalement vous a ramené parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans votre secteur, et vous dites, j'ai donc décidé de me plier à l'arrangement de Lankar. Le mariage a eu lieu le 17 avril 1977 pendant le Nouvel An Khmer. Trois couples ont été mariés. Ça, c'est ce que vous dites donc dans votre document D22-3963. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? D'accord. Très bien. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous un autre document. Il s'agit du D230-2-4.2.277A. Cette fois-ci, ERN en français. 00-82-22-71. ERN en anglais. 00-77-7-625. ERN en Khmer. 00-508-4-2-6.
En français, c'est au dernier paragraphe. Et vous dites, début 1977, j'étais cadre à l'hôpital de la région 20. Nous étions trois couples de cadres à être forcés à nous marier. Donc là encore, Monsieur M.E., je voudrais savoir si ça vous rafraîchit la mémoire et si nous sommes d'accord que, en tout cas dans ces deux déclarations, vous avez situé votre mariage en 77. Bien, donc nous avons au moins un repère précis et nous sommes d'accord que vous êtes marié après votre formation à Phnom Penh à l'hôpital Khmer soviétique. Dans la séquence des événements, nous sommes d'accord. Je vous remercie de cette précision. Nous allons donc pouvoir avancer. Aujourd'hui, répondant à mon confrère Maître Po de l'équipe de Nongchea, vous avez situé votre arrivée à Phnom Penh pour étudier à l'hôpital khmero-soviétique à peu près en juillet 76. Est-ce que j'ai bien compris? Je vous remercie. Et si j'ai bien compris votre déposition de ces derniers jours, vous l'aviez indiqué, il me semble, à mes confrères de la partie civile et vous l'avez confirmé à mes confrères aujourd'hui, cette formation à Phnom Penh, qui devait normalement durer un an, n'a duré que 9 mois parce qu'il y avait des problèmes dans votre zone et qu'on avait besoin de vous à l'hôpital du secteur 20. Est-ce que j'ai bien compris? D'accord, donc toujours pour bien nous situer dans le temps, vous avez, si je me situe dans le temps par rapport à ces éléments que nous venons de poser, vous êtes à Phnom Penh de juillet 76, pendant 9 mois, et après vous retournez dans votre secteur, c'est bien ça? Bah. ដែលគ្នាឃើញសំណួរចុងក្រោយនេះគឺសុទ្ធតែជាសំណួរនាំមុខអាចឈានទៅដល់ការខុសសូមកែសម្រួលរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកមេធាវីក្នុងការតាំងសំណួរជាវិងប្រើប្រាស់នៅសំណួរដឹកមុខនាំឲ្យមានកំហុសលើកនីតិវិធីនៃការតាំងសំណួរឲ្យដល់ Monsieur le Président, si je peux me permettre de préciser, mes questions n'étaient pas orientées. J'étais simplement en train de revoir avec Monsieur le témoin ce qu'il avait indiqué dans ses déclarations précédentes, de façon à avoir une chronologie qui soit claire. Je pense que dans les jours qui viennent de précéder, nous avons parlé de pas mal d'événements, mais sans avoir une chronologie précise. Et j'essayais de façon claire, précise, en donnant à Monsieur M.E.N. la possibilité de se référer à ses déclarations précédentes, des repères, pour qu'on soit bien clair qu'on parle de la même chose. Donc quand je le demande de confirmer, c'est pas pour orienter, mais c'est par rapport à des choses qu'il vient de me dire précédemment. Bon,
ដឹកមុខបែបនេះ Bien, je pense que la meilleure façon est de faire clarifier la chose par le témoin, pardon, la partie civile. Monsieur M. Eun, à l'audience, excusez-moi. C'est à l'audience d'hier, répondant à une question de Monsieur le coprocureur, vous demandant à propos de la session d'éducation à Boraikila, vous demandant si vous connaissiez les fonctions de Kyo Sampan et Nuon Chea. À l'audience d'hier, vous avez dit que vous saviez quelles étaient leurs fonctions, en indiquant que Kyo Sampan était président du présidium, et que Nuon Chea était président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea. Je voudrais savoir, Monsieur M. Eun, si effectivement ces fonctions vous ont été données par Sopian avant que vous veniez faire votre formation à Phnom Penh, à l'hôpital Khmer soviétique. ទូនីតិដែលខ្ញុំបានដឹងព្រោះខ្ញុំបានដឹងតាមដំណើរឪពុកខ្ញុំផងលោកខឹមគណៈតំបន់ផងនិងលោកសោះផឹមផងគឺខ្ញុំស្គាល់នីតិថាលោកខៀវសំផនធ្វើអ្វីលោកនួនជាគាត់ធ្វើអ្វីគឺស្គាល់តាមដឹងតាមដំណើរអ្នកធ្វើការកន្លងមកតែគ្រាន់តែឮសំឡេងឮឈ្មោះនោះទេការស្គាល់មុខមាត់គឺមិនដែលស្គាល់ទេទើបតែមកស្គាល់នៅពេលចូលមន្ទីរពេទ្យនេះឯងនៅបរិការនេះឯង Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais que l'on puisse montrer un document E3 à Monsieur M. Eun, étant précisé que je ne pense pas que Monsieur M. Eun ait déjà vu ce document, mais que s'agissant d'un document E3, et je donne la cote, E3/165, intitulé document portant sur le premier congrès de la première législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea du 11 au 13 avril 1976. Et je souhaiterais que l'on puisse montrer un extrait de ce document où Monsieur Nuon Chea et Monsieur Kyo Sampan sont désignés à leurs postes respectifs. Est-ce que j'ai votre autorisation, Monsieur le Président? Alors, pour la première page que souhaite montrer à Monsieur M. Eun, il s'agit de l'ERN en français 00301353
Le RN en Khmer, 0005363632. Et je pense que ça se poursuit sur la page suivante. Et le RN en anglais, 00184066. Monsieur M. Eun, est-ce que vous avez le document et la page sous les yeux? Je voudrais vous lire un extrait de ce document, donc, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est un document qui porte sur le premier congrès de la première législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea. Vous dites que Monsieur Sopim et votre père vous ont parlé des fonctions de Khieu Sampan et Nyon Chea. Et dans ce document, apparemment, lors de cette législature, c'est à ce moment-là que sont désignés. Alors, quatrième paragraphe en français, voilà ce qui est dit. En même temps, l'Assemblée a nommé les éléments du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea et également des différentes commissions. Le comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea est composé comme ci-après. Je vais trop vite. Donc, pas de problème, Monsieur le Président. Donc, la cote, alors je vais commencer par le Khmer peut-être. 0005363632. Avec, je pense que ça se poursuit sur la page suivante. ORN en français, et ça je sais que c'est la page 20 du document. 00301353. Et l'ORN en anglais, 001840066. Donc, Monsieur M. Eun, dans ce document, voilà ce qui est dit. En même temps, l'Assemblée a nommé les éléments du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea et également des différentes commissions. Le comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea est composé comme ci-après. Petit 1, le camarade Nguyen Chea, président. Et sur cette page, je m'arrête là. À la page suivante, donc, ORN en français, 00301354, en Khmer, 00053634, et en anglais 001840068. Voilà ce qui est dit. Donc il y a un paragraphe petit 5 et on indique la nomination du présidium de l'État du Kampuchea démocratique. Suite à la discussion minutieuse, détaillée au sujet des qualités de tous les aspects, l'Assemblée a adopté la nomination du présidium de l'État du Kampuchea démocratique, qui est composé de petit 1, le camarade Khieu Sampan, président, petit 2, le camarade Sopim, premier vice-président. Je souhaiterais, une fois que ces éléments ont été porté à la connaissance de M. M. Eun, que l'on puisse afficher la page 1 de ce document au 3/165,
qui évoque la date de ce document, il est indiqué du 11 au 13 avril 1976. Ma question est la suivante. Monsieur M. Eun, si les désignations de Monsieur Nonchea et de Monsieur Que Sampan datent du 11 au 13 avril 1976, il me paraît difficile que votre père, décédé en 1974, ait pu vous parler des fonctions de Que Sampan et Nonchea. Est-ce que vous avez des explications sur ce point? ការជំរងយំណាស់ពិតជាមានព្រោះថាខ្ញុំពេលនោះសហដូចមិនហាទេរឿងពិតរបស់ខ្ញុំគឺរឿងពិតជាឪពុកខ្ញុំបាននិយាយតែនិយាយនៅពេលដែលគេតែងតាំងឬក៏និយាយមុនអត់ដឹងទេព្រោះឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្វើការយូរហើយដូច្នេះក៏ប្រហែលជាខ្ញុំថាប្រហែលចោះថាខ្ញុំបានដឹងនៅពេលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមុនកាតែងតាំងព្រោះថាគាត់ ឧស្សាហ៍មកភ្នំពេញណាព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាគាត់មកនោះមកធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងភាពពិតនោះគាត់ឧស្សាហ៍បាននិយាយជាមួយខ្ញុំពីគោលការណ៍នៃការបង្កើតខ្មែរក្រហមកន្លងមកនោះគាត់តែងតាំងឋានៈនេះធ្វើអញ្ចឹងឋានៈនោះធ្វើអញ្ចឹងសូម្បីតែមីខ្ញុំនៅភ្នំពេញយកខ្ញុំមកដេកឲ្យធ្វើពេទ្យក៏ទៅតាមដំណើរការរៀបចំរបស់គាត់ដែរដល់ពេលដល់ថ្ងៃក្រោយទៅនោះអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់ធនូសូមអភ័យទោសប្រការ Qu'est-ce que votre père vous a dit exactement avant 1974, c'est-à-dire avant son décès, au sujet de Que Sampan et Nonchea? Est-ce qu'il a évoqué avec vous ces titres que vous aviez évoqués avec monsieur le coprocureur, à savoir président du présidium pour monsieur Que Sampan et président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea pour monsieur Nonchea? Est-ce qu'il a parlé de ces éléments avec vous? ត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការនិយាយគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនប៉ុន្តែការចាំរបស់ខ្ញុំអាចនឹងចាំកន្លែងណាដែលចាំកន្លែងណាដែលមិនចាំសូមជម្រាបចាស់ជំនួសបាទ Donc, si je comprends bien, lorsque vous avez répondu à l'audience d'hier à monsieur le coprocureur que vous connaissiez les fonctions de monsieur Que Sampan et monsieur Nonchea, lorsque vous dites les avoir vus à Bourakila, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes trompé, que vous ne vous souvenez plus bien ou que ce n'est pas la vérité? ថាມັນແມ່ນជាការពិតទេនៅពេលលោកឆ្លើយទៅលោកសាប្រាញញ៉ាំសាមញ្ញខ្ញុំនិយាយមិនតំមិញអត់មានច្រឡំទីគឺជារឿងច្បាស់ប៉ុន្តែនិយាយថាពាក់ព័ន្ធច្រឡំគឺច្រឡំតែថ្ងៃដែលខ្ញុំមកទៅតាមដំណើរពុកខ្ញុំដឹងនៅពេលណាគឺអានឹងខុសប៉ុន្តែឱកាសដឹងនឹងចាំបានថាឃើញនៅបរិកាឡាគឺខ្ញុំនិយាយមិនបានហើយខ្ញុំស្គាល់មិនមែនបាទ Bien, écoutez, je me contenterai de cette réponse. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures et j'entends passer à une autre ligne de questionnement. Est-ce que c'est le moment approprié pour marquer la pause? Bah, au contraire. Bah.
ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែវិមានខែសីហាឆ្នាំ2012ដោយចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដឹងរដ្ឋប្រនីរូបនេះដែលនឹងបន្តតាំងសម្មតិដោដោយក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនសូមពិគីនឹងសាធារណជនជ្រាបលោកអែមអឿនការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកនៅបន្តចាប់នៅឡើយទេសម្រាប់ការត្រូវបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកបន្តផ្